l'attendiez, cette vidéo. Vous vous demandez ce que c'est, mais en tout cas, c'est la première vidéo des JMJ. Nous sommes très heureuses de la faire pour vous donner vraiment toutes les informations. Donc, avant ça, on va se présenter. Je suis Angèle, la responsable du pôle jeune, et je vous présente Marie de la maison Scarron. Donc, si on est là toutes les deux aujourd'hui à vous parler, c'est parce qu'en tant que responsable, j'ai demandé à Marie, qui avait fait les JMJ en 2016 à Cracovie, de reprendre le flambeau pour nous entraîner tous dans cette belle aventure qui sont les JMJ 2023. À Lisbonne. À Lisbonne, tout à fait, voilà. Donc enfin, on va vous faire un petit résumé vite fait de ce qui est déjà en train de se préparer et ensuite, on va vous donner des informations pour la suite. C'est vraiment ça, vous donner les informations et l'envie de partir avec nous, avec le diocèse du Mans. Donc tout d'abord, on est bien d'accord qu'on va pas revenir sur l'historique des JMJ, ça vous aurez des petites vidéos au fur et à mesure de l'année. Le plus important, c'est déjà de vous donner les dates, le thème et pourquoi on part, vraiment pour ça. Donc Marie, je te laisse un peu la parole et puis si j'ai besoin, j'interviendrai. Alors peut-être pour commencer effectivement les dates, nous partirons le 25 juillet 2023, objectif 3 quarts de la Sarthe, direction Lisbonne. Et nous reviendrons après le grand week-end final, c'est-à-dire le 8 août au Mans. Alors, l'originalité du programme de la Sarthe, c'est que nous ferons Le Mans, Loyola. Pourquoi Loyola? Parce que le thème des JMJ, c'est Marie se leva en hâte. Alors, Marie se leva en hâte, c'est un super thème pour des jeunes. Nous aussi, le pape François nous invite à nous lever pour nous mettre au service, pour ne pas regarder seulement notre nombril. Marie aurait pu rester chez elle assise pendant 9 mois à regarder son ventre grossir. Pas du tout. Dès qu'elle a connu la bonne nouvelle de l'ange qui lui dit qu'elle portait en elle le Fils de Dieu, elle s'est mise en route, elle s'est levée, elle est partie. Alors nous aussi, on va se lever et on s'est demandé aujourd'hui, pour vous les jeunes, pour nous, pour qui nous étions prêts à nous lever. Et pour répondre à cette question, pour qui je suis prêt à me lever, qui de mieux que Saint Ignace de Loyola avec ses exercices de discernement, voilà, qui nous aidera à réfléchir. Donc première pause, nous nous arrêterons une nuit et une journée au sanctuaire de Loyola. Et ça, c'est vraiment du plus pour la Sarthe. Ensuite, on enchaîne, on remonte dans l'écart, direction Coimbra. Coimbra, pour rejoindre le grand forum de la communauté de l'Emmanuel. 4 jours avec plus de 7000 jeunes. Le forum est organisé par l'Emmanuel, c'est du clé en main, avec louanges, témoignages, sport, veillées. Voilà, un vrai programme qui donne envie, en tout cas pour les jeunes. Et puis, une dernière journée tous ensemble à Fatima. Ça, c'est vraiment le plus de notre programme, d'aller rencontrer Notre-Dame de Fatima. On vous en parlera plus tard, mais en tout cas, on tient aussi à cette figure de Marie. Donc voilà, à Fatima. Et ensuite, ça commence, la deuxième semaine arrivera, donc on ira tous ensemble direction Lisbonne. Et donc là, la grande semaine commencera. On sera reçus dans une paroisse d'accueil et aujourd'hui, on n'a pas encore cette paroisse. Mais nous espérons, la Sarthe, être responsable d'une paroisse francophone. Être responsable, ça veut dire qu'on va accueillir 300 à 500 jeunes français dans la paroisse qui nous sera confiée. Ce sera à nous de gérer l'accueil, la mise en forme, la louange, les enseignements, les témoignages, la liturgie, la messe. Voilà. C'est un peu unique, on peut le dire quand même. Alors, on l'avait fait à Cracovie, mais effectivement, qu'un diocèse se porte volontaire pour accueillir d'autres Français, oui, c'est unique, c'est une chance et c'est un vrai challenge. Okay. Et puis, les Sartois, on aime le challenge. Et puis, effectivement, après, on vivra donc la journée mondiale de la jeunesse finale avec le pape François. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le programme aujourd'hui, on est en train de chercher des petites touches en plus. Évidemment qu'on veut... On veut passer une journée à marcher, peut-être en pleine montagne ou sur les côtes atlantiques. Et puis, on veut aussi marcher. On veut se baigner surtout. Voilà, donc on va chercher un lieu pour se baigner, un lieu pour dormir dans un camping, pour faire une pause entre nous. Ça, c'est des petits plus, parce que quand on part avec un petit groupe, on peut effectivement se permettre de faire des choses en plus. Et pour le retour, on est en train de réfléchir à la pause, un temps de relecture avant de rentrer au Mans. Donc voilà les grandes informations sur l'itinéraire. Le Mans, Loyola, Coimbra, Lisbonne, plus de la montagne, de la plage. Voilà. Que demander de plus des merveilleuses vacances pour 2023, voilà. Alors vacances, oui, c'est vrai, on peut le dire. En fait, les JMJ, c'est vraiment un temps de découverte. Découverte d'autres personnes. Donc d'abord, découverte des personnes du diocèse. Découverte d'autres groupes français. Découverte des pays de l'Espagne et du Portugal. Découverte spirituelle avec Saint Ignace de Loyola, mais pas que. Hein. Le pape nous donne une dizaine de figures de saints à rencontrer, dont Carlo Acuti qui nous tient particulièrement à cœur.
dont Don Bosco, dont voilà, d'autres saints que nous prendrons plaisir à vous faire découvrir cette année. Il faut vraiment retenir ça. Les JMJ, c'est un temps de découverte. Découverte des autres, de l'Église et de soi. Bah, très bien, voilà. Donc, il n'y a plus que... Mais vous comprenez bien que pour préparer ces JMJ, on n'est pas que deux, vraiment, c'est ça aussi. Et ça veut dire que ça ne peut pas se faire sans vous, vraiment, les jeunes. Ça veut dire que Marie et moi, à un moment, on a passé aussi un peu l'âge. Et c'est vrai, il faut le dire. Ça veut dire que c'est ensemble et avec vous qu'on partira. On est très, très heureuses. Et donc, il y a déjà un groupe qui est constitué, qui va, au fur et à mesure des mois, vous donner des informations. Une équipe pilote est déjà en marche. Mais on a vraiment besoin de vous pour être les relais, pour montrer que vous êtes là, vraiment. Voilà. Et donc, ça, déjà, il y a toutes les informations se trouvent sur notre page internet. Donc, il vous suffit de taper Paul Jeune Sarthe. Vous allez tomber sur notre page internet du Paul Jeune avec cet article des JMJ qui vous donne déjà pas mal d'informations. Au fur et à mesure des mois, on va donc enrichir cette page avec les informations administratives, mais pas que, les vidéos. Chaque mois aussi, comme dit Marie, on va vous mettre aussi l'histoire des saints, l'histoire des JMJ. Voilà, on est en train de construire tout ça. Ça nous plaît, mais en tout cas, c'est juste aussi pour vous informer et être au plus proche de vous. Voilà. Effectivement, les JMJ, c'est vraiment pour les jeunes de 18 ans à 30 ans. Donc oui, nous, on a passé l'âge. En fait, on est heureux de les organiser, mais que ceux qui ont entre 18 et 30 ans et qui ont envie d'être responsables, de se lever pour nous aider à coordonner, pour nous aider à donner de l'énergie, ben, vraiment se manifestent. Les places ne sont pas toutes prises, ce sont vos JMJ. Vous pouvez venir vous investir. Et c'est ce que tu disais, Angèle. Le but, c'est de faire partir tous les groupes de la Sarthe. C'est pas Le Mans qui part, c'est vraiment la Sarthe. Alors, la Ferté-Bernard a des gens constitués un groupe, la Flèche, Sablé, la Suze, mais voilà, on attend aussi Château-du-Loir, Mamers, Ciel-Guillaume. Là où il y a des jeunes, 18-30 ans, et ben, sentez-vous invités à participer à ces journées mondiales de la jeunesse. Et puis, qu'on soit proche de l'Église ou qu'on soit loin, le pape François invite vraiment tous les jeunes. Voilà, il parle souvent de la périphérie, c'est pour tout le monde. On a aussi un projet pour faire partir des jeunes de Hauteuil. Et puis, les mouvements, on vous invite, hein, les scouts, les routiers, les guides aînés, la JOC, sentez-vous invités. Voilà. Et donc, juste pour terminer aussi cette première vidéo, donc Marie a redit l'âge, ça c'était important, de 18 à 30 ans. Vous avez peut-être déjà aussi entendu qu'il y avait peut-être des plus jeunes, donc on peut en rediscuter. Vous avez nos contacts, téléphonez-nous, d'accord, vraiment, vraiment. On est très contents de venir vous rencontrer pour en parler. Et puis la suite, pour tout ce qui est inscription, tarifs et tout, ça va arriver au fur et à mesure. Voilà, on est en lien avec le National qui vous donne toutes les informations. Donc pour le moment, dans cette vidéo, on n'en parlera pas. Mais en tout cas, sachez que ça va bientôt arriver. On peut seulement vous donner un premier rendez-vous qui aura lieu ici, dans le diocèse. Le 19-20, voilà, c'est la première journée mondiale de la jeunesse. C'est le week-end de la fête du Christ-Roi. Et donc, c'est le lancement officiel, lancement national, lancement pour la Sarthe. On se donne rendez-vous le samedi après-midi pour un après-midi où vous recevrez du contenu sur bah, effectivement ce que sont les JMJ, mais aussi l'histoire de Notre-Dame de Fatima, Saint-Ignace, qu'est-ce que ça veut dire les exercices de discernement, les exercices spirituels, qu'est-ce que ça veut dire la louange, qu'est-ce que la communauté de l'Emmanuel qui nous accueillera. Donc voilà, on prépare un programme avec des ateliers au choix qui seront nombreux. Le samedi soir, c'est une soirée festive, un repas animé portugais. Donc là, le but, c'est d'inviter des gens à venir déguster les saveurs portugaises, à découvrir les plats portugais. Et puis, ceux qui partiront au JMJ, on animera ce repas. Voilà, et on finira cette journée par le dimanche matin. On aura encore un temps d'enseignement tous ensemble, un temps de prière. Et on animera la messe à Saint-Liboire avec Père Gaël Catalano, qui est le prêtre accompagnateur de ces JMJ. On vous l'a dit, il y a une équipe culotte qu'on vous présentera au fur et à mesure de ces vidéos. Donc voilà, on arrête là cette première vidéo. En tout cas, rendez-vous à Lisbonne en 2023. On vous attend tous, et pour montrer aussi que la Sarthe est vivante et jeune. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.